Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons travailler le gospel, ok? Et pour ce faire, on va prendre un chant simple qui fait combien Dieu est grand, ok? Alors nous sommes dans la tonalité de si bémol, ok? Alors la famille, ce n'est pas compliqué de pouvoir travailler cette chanson, hein. Donc le tout premier accord que j'utilise, nous sommes dans la tonalité de si bémol. C'est l'accord de si bémol 2, si sus 2, ok, suspendu 2. Nous avons la note de si bémol, de do ainsi que de fa. Donc ça fait. Et ensuite, je prends le premier renversement de l'accord de si bémol. Voyez? Ça s'appelle le voicing, ok, en anglais, bon, je sais pas. Donc, ok. Ensuite, je fais et j'arrête pas. Donc, tu peux jouer avec les deux accords. Ensuite, tu fais. Donc le tout premier, et ici à la main gauche, on fait l'accord de si bémol majeur 7. Donc ça fait. Donc 1, 2 et 3. Ok, et on fait. On garde toujours l'accord de si bémol majeur 7. Ensuite, et on arpège. Ok. Ok. Mineur, sol mineur 7. Ok. Et je fais un accord de passage ici qui fait. Ok. Donc, c'est-à-dire la partie ici fait. Et tous verront combien. Ok, donc la main droite. Ok, la main gauche va jouer juste l'octave de fa, ou soit on peut jouer on peut laisser tomber le fa et prendre le sol. Vous sentez la couleur? Ensuite. Le si bémol sus 2, on a vu ici c'est renversé, et on fait le sus 2 de l'accord de mi bémol ou ré dièse. Donc ensuite on va faire un accord, on va faire un accord, on va faire deux accords de passage avant d'aller au cinquième degré qui va être. En fait, ici, je prends le 5, le 2 et je tombe sur le 1. L'accord de passage que j'utilise, c'est-à-dire je suis au niveau du 4. Pour faire le 5, je fais d'abord, pour faire le cinquième degré de si bémol, je fais d'abord le cinquième degré de fa. Ça fait. Mais au lieu de jouer la tonique à la main gauche, je joue la tierce. Et je joue le deuxième degré et je tombe sur le fa. Ok, donc là j'ai utilisé le 2-5-1, tout simplement ma forme, tout simplement pour avoir un accord de passage, donc ça me donne. Voyez, donc là je tombe sur l'accord de C, on peut prendre Fa 7, où je peux rajouter la 9e, ok? Où je peux laisser ça, je prends ça 11e, et ça donne ce. Combien? Et on reprend la même chose du début. Dieu est grand. Et on reprend. Donc, vous voyez? Donc, combien? En fait, Dieu est grand. Sol mineur 7. Ok.
Et on fait cet accord-là qui donne quelque chose d'extraordinaire. Et on fait sus de renversé. Et on tombe sur le sus de l'accord de mi bémol ou ré dièse. Directement, on fait le cinquième degré de fa avec la tierce à la basse. Et on fait le deuxième degré. Et on tombe sur le cinquième degré. Mais cette fois-ci, regardez la position. C'est ce qui vous permet d'avoir quelque chose d'extraordinaire. Et puis tu fais Dieu est grand. Donc on va jouer le tout. Donc Dieu est grand. Tu peux même arpéger. Donc tu peux prendre à partir d'ici. Tu peux rajouter même ça ou tu peux t'arrêter là. Ok. Et on fait et tous. Et tous verront combien. Et on fait donc Do 9, ok. Et on fait, on arpège le Ré, le Sol mineur. Donc combien. Et on fait Dieu. Ok, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, la famille. Donc cette façon d'harmoniser la chanson, combien Dieu est grand. Et puis, si vous n'arrivez pas, prenez le temps de répéter plusieurs fois la vidéo et on se retrouve dans nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse, la famille. Abonnez-vous, likez, partagez surtout la vidéo. Ça me ferait énormément plaisir. On est ensemble.